Tout ce qui réunit change. Donc ici, ça réunit la communauté africaine, la communauté black, et ça nous permet aussi de montrer qu'on est capable et qu'on est capable d'évoluer aussi dans un milieu européen. Et le BAM, c'est l'endroit où il faut être. Et il y a une forte demande, parce qu'il faut savoir que le wax a beaucoup révolutionné. Aujourd'hui, on a un grand styliste comme celui qui vient de passer. Il vient de Suisse, il vient là pour montrer aussi qu'il y a l'excellence dans le wax. Son prénom, voilà. C'est Jean-Pi Ombali. Voilà, Jean-Pi Ombali, avec voilà. Il vient d'un grand pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Voilà. Aujourd'hui, au BAM, il est venu aussi montrer ses collections. Là, j'ai mis du Camara Wax. Donc, encore une fois, le wax, c'est ça. On a besoin du wax pour montrer qu'on existe. Voilà. C'est ça. Des mots, j'ai dit merci d'abord à Ika, parce que dès mes débuts, elle a toujours soutenu. J'ai fait des émissions avec elle. Donc, pour moi, il faut toujours consommer africain. Et puis, c'est rare des journalistes africains congolaises en plus, qui fait la promotion de nos artistes, pas juste la musique, mais il fait la promotion de la culture africaine. J'ai dit bien africaine. Tout ce que je peux dire, consommons africain. Et puis j'ai dit merci à Christelle Panandila pour cet grand événement. J'ai vu, il y a des grandes dames, des grands artistes. J'ai rencontré beaucoup de gens, rien à dire. Inch'Allah, on est là. On bat toujours pour la lutte de la mode congolaise. En général, africaine. Bonsoir à tous, je m'appelle Bumba Jessie, donc je suis Miss Africa Belgium 2015 et je suis aussi également ambassadrice de l'association Safari des Anges. Et voilà, c'est ma première fois ici au Bruxelles Fashion Market et vraiment je suis très contente d'y participer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui font, qui relient l'Afrique et la modernité justement de l'Afrique avec le côté fashion et je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai un peu parcouru les lieux. Et à mon grand, comment dire, désespoir, il n'y a pas beaucoup de choses pour les garçons, malheureusement. Il y a beaucoup de choses pour les filles, de très beaux sacs. Franchement, au niveau fashion, c'est le top. Mais niveau garçon, c'est un peu manquant. D'ailleurs, je trouverais qu'on devrait voir un peu plus de garçons dans les stands. Mais c'est quand même super. Et d'ailleurs, on organise justement bientôt Mister Africa Belgium. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à postuler. Et voilà, c'est vraiment très intéressant. Je suis très 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 contente d'être ici, il y a vraiment de belles choses et j'ai hâte de voir la suite, de continuer à faire le tour. Et je pense que vraiment le domaine du pagne et même tout ce qui tourne autour de l'Afrique, je pense que évolue beaucoup ces temps-ci. Et c'est vraiment très encourageant de voir des projets comme cela, comme aujourd'hui, vraiment se réaliser. Et bien sûr que ça prend de l'ampleur, de voir que vous voyez, on peut allier un sac en pagne avec une tenue totalement européenne. Et c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur de plus en plus et j'espère que ça va encore évoluer. Parce que bon, ici à Bruxelles, ça avance un peu doucement. J'espère que ça va accélérer au fur et à mesure du temps, mais c'est très encourageant, oui. Bruxelles African Market peut changer le visage, je ne sais pas vraiment comment, mais en tout cas, il peut vraiment rallier et faire découvrir la culture africaine. Et c'est vraiment ça qui me fait plaisir dans ce projet. Parce que voilà, en créant, vous savez, de tels endroits conviviaux, vraiment sociable et chaleureux. N'importe qui peut venir, africain, européen, américain, tout le monde peut venir et vraiment apprendre de mieux en mieux la culture africaine, le pagne. Et c'est comme ça qu'on parlera plus de nous et ça ne peut être que mieux. Alors nous sommes à La Tentation. La Tentation pour moi c'est un endroit très spécial parce que le premier jour où j'ai été élu conseiller municipal de la ville de Bruxelles, la présentation s'était faite ici à La Tentation. Alors, à quelle occasion? À l'occasion de Bruxelles African Market, qui est quelque chose d'assez particulier, que je trouve qu'il devait être soutenu davantage. Cette initiative est super bonne. Bruxelles a besoin, l'interculturalité de Bruxelles en ce moment, où on parle d'immigration, d'intégration, de migration, de toute une série de problèmes de vivre ensemble. Une occasion comme celle-ci, elle est exceptionnelle. D'ailleurs, je sors avec une remarque particulière. J'ai trouvé beaucoup de petites filles métisses de l'âge de 12, 13 ans, l'âge de ma fille. Alors on dirait que j'ai vu ma fille 10 fois dans cette assemblée. Ça montre bien vraiment le mélange culturel qu'il y a, non pas seulement sur le plan artistique, littéraire, musical, mais aussi sur le plan tout simplement des échanges entre humains, de la différence qu'on doit tuer pour dire que tous les hommes sont les mêmes. Et Bruxelles, capitale de l'Europe, doit en donner l'exemple. La culture africaine, elle a beaucoup de place à prendre. Je trouve qu'elle n'est pas assez soutenue. C'était un sénateur parlementaire qui vous le dit. Je trouve qu'elle n'est pas assez soutenue. Peut-être parce qu'on marque Afrique derrière. Mais enfin, mais je pense que nous devions être un peu plus attentifs
parce que c'est par la culture que les gens se connaissent et c'est par la culture que les gens apprennent à se découvrir et certainement à s'apprécier par rapport à d'autres qualités qu'on a. La culture est une arme très puissante, mais que nous, les politiques, nous sous-estimons. Nous sommes à la 16e édition de ce marché qui n'en est pas vraiment un, comme on l'a dit sur notre campagne de communication, parce que c'est au-delà d'un marché. C'est donc de l'artisanat, de la création, une plateforme de networking, vraiment une possibilité d'ouvrir et d'augmenter son potentiel. Et donc ça se déroule ici à Bruxelles pour la 16e fois, 3 ans, donc en fait les 3 ans d'anniversaire. On a une quarantaine d'exposants. Et la particularité de cette édition, c'est qu'on a décidé de travailler en synergie avec une autre organisation qui s'appelle les éditions Mabiki, donc qui édite des livres en français, en langue aussi. Et donc, ils célébraient leurs 10 ans, mais également la 4e édition du SLABEO, qui est le salon des littératures africaines en Belgique, orale et écrite. Et donc, on a décidé de travailler ensemble, ce qui nous a amené à accueillir plus de 60 exposants, une programmation riche avec Pitchy Banda, avec du théâtre, l'opération Coupe, qui nous parle de coopération de développement fait par Leblanc sans tenir compte du terrain et des besoins du terrain dans les pays du Sud. On a des débats avec des auteurs, il y aura des défilés, voilà. Donc c'est vraiment un événement qui englobe différents aspects de l'art, parce qu'on a également de l'art pictural, de peinture, avec Apalis Collection qui propose une quinzaine de peintres et leurs peintures donc qui sont ici diffusées, partagées avec le public. Et comme je disais, donc ce n'est pas un marché, c'est vraiment au-delà. On a cette synergie qui a été créée avec le public depuis maintenant 3 ans, qui nous suit, les exposants aussi qui sont là depuis la première édition et puis d'autres qui nous rejoignent en route. Et vraiment le Brussels African Market, c'est Brussels, mais ça a dépassé les frontières de la Belgique et on en est vraiment heureux. Et pour cette édition, on accueille le Ghana, on accueille le Zimbabwe, on accueille le Congo, on accueille le Sénégal, on accueille le Mali, le Niger, on accueille le Maroc. Donc c'est vraiment un foisonnement de cultures, de personnes qui permet de vraiment avoir cette atmosphère particulière que tout le monde adore parce qu'on se retrouve quasiment en famille. C'est très familial, c'est pour les enfants, pour les adultes, pour les grands-parents. Donc ça permet vraiment de se retrouver, de passer une journée parce qu'on peut aller d'un stand à l'autre, on n'est pas obligé d'acheter, on peut juste converser parce que c'est ça aussi, c'est se relier à l'humain.